Bonjour et bienvenue dans le tutoriel spécial Contact Form 7. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir dans la première partie les réglages et dans la seconde partie comment intégrer le formulaire de contact dans le blog WordPress. Donc voyons sans plus attendre la configuration d'un formulaire de contact avec Contact Form 7, donc au niveau des réglages. Donc une fois que vous avez installé, activez votre extension rendez-vous sur cette petite icône, l'onglet Contact Form 7. Donc vous arrivez ici. Donc vous pouvez intégrer le formulaire en copiant-collant. Donc vous êtes obligé de copier-coller ce shortcode dans une page, un article ou un widget, dans le contenu de votre article, votre page, de votre widget. Donc procédons à cette étape. Déjà, donc vous faites CTRL-C, rendez-vous dans votre page où vous avez votre formulaire de contact. Donc vous cherchez votre page de contact. Donc moi, la mienne, elle se situe ici. Donc, vous modifiez la page. Et ensuite, vous allez coller votre shortcode là où vous désirez afficher votre formulaire de contact. Donc, là vous voyez, hop, un descendant, voilà, donc blablabla, blablabla, et on va insérer le formulaire de contact. Ici par exemple, donc vous faites CTRL V, vous collez le shortcode ici, donc contact form 1, formulaire de contact 1. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez la page et ensuite on revient au réglage. Donc au réglage ici, une fois que vous avez intégré votre formulaire sur votre page WordPress, regardons les réglages disponibles pour le formulaire. Donc ici, vous construisez votre formulaire. Donc vous voyez que vous avez votre nom obligatoire, texte, votre nom, votre email obligatoire. Vous avez le shortcode qui permet d'afficher le champ email, le sujet, le shortcode qui permet d'afficher le sujet, votre message, le shortcode qui permet d'afficher le message et le bouton envoyer ici. Donc ensuite, vous pouvez générer un marqueur en cliquant ici. Donc vous voyez, par exemple, vous pouvez rajouter un champ texte, un champ email, une zone de texte, un menu déroulant, une case à cocher, un bouton radio, acceptation, un quiz, un captcha, un upload de fichier ou un bouton de soumission, submit. Voilà, donc pour ce faire, admettons qu'on veut rajouter ici votre nom, en dessous votre prénom. Donc vous allez faire pareil. Paragraphe, votre prénom, donc c'est pas obligatoire, donc vous laissez comme ça et vous faites BR pour un retour à la ligne, hop, et là vous récupérez un captcha, un code, un short code ici, donc ça sera un champ texte, donc cliquez champ texte, voilà. Et là, vous avez les paramètres, vous voyez, pour le champ texte. Donc, est-ce qu'il est obligatoire, oui ou non? Le nom que vous voulez donner. Donc, si c'est pour le prénom, vous pouvez mettre texte-prénom, par exemple. ID facultatif, la classe est facultative, taille est facultative et longueur maximale facultatif du champ. Ensuite, à qui se mettre? Ce champ nécessite le nom de l'auteur ou ce champ nécessite l'URL de l'auteur. Donc, si vous voulez améliorer la protection, vous pouvez cocher ici. Contre le spam.
Ensuite, vous êtes là, donc valeur par défaut facultatif. Vous pouvez donner une valeur par défaut ici pour le champ qui sera affiché en front office. Vous pouvez cocher ici pour utiliser ce texte en filigrane. Et ensuite, vous copiez ce code et collez-le dans le formulaire de gauche. Donc, vous sélectionnez le shortcode ici. Faites CTRL-C. Hop, et là, vous voulez mettre votre champ. Donc, vous faites CTRL-V pour coller. Vous voyez, tac, 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 tac. Et ensuite, vous fermez donc, comme ci-dessus, le paragraphe slash P. Là, vous mettez un écart pour bien espacer les choses, donc les différents champs. Donc, votre nom, nanana, votre prénom, nanana, votre email, nanana, sujet, nanana, message, nanana, envoyé, nanana. Donc, une fois que vous avez fait ça, on vous dit également ici, et placez ce code dans les champs email ci-dessous. Donc, vous copiez-collez, CTRL-C, ce code, et vous le placez dans les champs email ci-dessous. Donc 2, c'est le corps du message, vous voyez, donc 2, nanana, sujet, nanana. Et vous devez mettre donc le nom et le prénom. Donc vous faites CTRL-V ici, avec un espace. Donc ça donnera 2, le nom de la personne, le prénom de la personne et son email, le sujet, le corps du message, votre message. Et voilà, donc ça ce sont les indications du message, donc le mail a été envoyé à partir de tel site, de votre site. Voilà, donc vous comprenez bien le principe. Voilà, donc une fois que tout est réglé, donc ça c'est fait, vous allez rajouter votre prénom, votre nom, etc. Voilà. Donc après, vous réglez les paramètres ici. Email, à qui vous l'envoyez? À. Donc ça, c'est votre adresse email que vous devrez remplir ici. Là, 2, donc le nom de la personne, l'email de la personne, vous pouvez rajouter d'autres shortcodes en rapport avec ceci. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter des entêtes supplémentaires et des pièces jointes. Vous pouvez cliquer ici pour utiliser un type de contenu HTML seulement, ou non, comme vous voulez. Ensuite, vous avez email numéro 2, si vous voulez envoyer à une autre personne. Donc, vous cochez utiliser l'email 2 pour envoyer par exemple à votre partenaire. Donc, vous rentrez les informations, pareil que pour email 1. Donc moi, je suis seul, donc je coche pas, je laisse email le premier uniquement. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le message, les messages à faire passer, donc qui seront envoyés. Votre message a été envoyé avec succès, donc vous pouvez le modifier ici, le texte. Votre message n'a pas pu être envoyé, à qui se mettent à juger que cet envoi est un spam, etc. Donc, vu que c'est en français, pas besoin de l'éditer. Par contre, si vous êtes en Italie ou en Angleterre, etc., vous pouvez éditer ici les textes pour les mettre en anglais, etc. Dans la langue par défaut de votre site. Donc, vu que c'est déjà par défaut en français, moi, mon blog est en français, donc je laisse français. Je ne touche pas. Ensuite, vous avez des réglages complémentaires ici. Donc, à vous d'entrer les réglages complémentaires que vous voulez ajouter ici. Donc, pour ça, il faudra aller voir sur la documentation du plugin. Donc la documentation elle est ici, donc, vous cliquez documentation ici, vous allez sur contactformset.com/docs et vous aurez toute la documentation ici et la forme aux questions et le support, vous voyez. Donc vous pouvez vous faire aider de tout ça pour les options complémentaires, les réglages complémentaires, etc. Voilà, voilà. Donc une fois que vous avez bien paramétré toute cette page de réglage pour contactformset, donc vous vérifiez un dernier coup pour être sûr. Donc est-ce que le champ que vous avez rajouté est obligatoire ou non? Donc s'il n'est pas obligatoire, ok. Donc une fois que vous avez fait tout ça, et bien vous cliquez simplement sur sauvegarder ici en bas à droite des réglages de contact form 7. Voilà.
Eh bien, ce tutoriel est à présent terminé. Merci de m'avoir suivi et à tout de suite pour la suite pour voir ce que donne l'intégration du formulaire de contact en front office d'un blog WordPress. Merci, à tout de suite.